Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, on est reparti, j'ai rajouté un petit mode pour qu'on voit un petit peu mieux l'état de mental de nos colons. Donc en vert ils sont heureux, là ils sont contents et là elle est normale, neutre disons. Et après ça devient orange, rouge, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé ici? Je vais annuler. J'avais fait une demande de me détruire ces trucs-ci. Finalement, je vais l'oublier. Ici. Ok, on va prendre les deux trucs qui sont ici. Ou plutôt, on va faire comme ceci. Vous voyez? Et je vais tout désactiver. Ici, nous allons récolter le reste, ça n'a qu'à pourrir, hein. Et par contre celui-ci, je vois qu'il est à 61, lui je vais continuer à l'activer. Pourquoi je fais ça? Ben, simplement parce que on passe le truc, maintenant on va arriver dans le mois suivant, et donc on va perdre tout notre c'est pas la peine d'avoir encore repertorié comme l'année passée. Hein. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt de continuer à laisser, à consommer de l'énergie pour rien. On va agrandir un petit peu la zone ici. Voilà. Ensuite, j'ai demandé des constructions, des lits, des armoires pour mettre une armoire ici. Et une armoire là-bas pour l'acier ici. Et là, la smoke leaf. J'ai demandé d'arrêter de mettre de la smoke leaf ici. Puisqu'on va directement en faire des joints avec cet établi d'assemblage, celui d'assemblage. Donc ça ne sera plus fait à cet endroit-ci. Et voilà, j'ai demandé de fermer. Donc ici, il va falloir qu'on ferme la porte afin de respecter une meilleure température. Donc on est à 57, là on est à 48. Avec la porte ouverte, c'est peut-être pas très intelligent. Enfin ici, j'ai demandé de modifier. On ne va plus faire avec une truc bien large de 5. On va uniquement faire une ligne toutes les 3 cases. Ce qui va me permettre de savoir s'il y a du minerai. Hein, puisqu'on sait automatiquement là, si je creuse ici, je saurai qu'il y en a là ou pas. Et donc, même chose sur les côtés. Après, nous repartirons en fer de vers le bas. C'est pas la peine d'aller jusqu'à où c'est plus les bains de pied. Et bêtement, se faire avoir parce qu'il y a une infestation et qu'on n'aurait pas eu le temps de revenir. Et donc, on va creuser un peu dans tout ça. Quoi. Voilà, en gros. Ce que j'ai fait, j'ai demandé également de positionner des vêtements ici, chapeau, guenille et manteau, et Maker va devoir me faire tout ça. Et donc j'ai demandé la quantité correcte maintenant, 15, puisque c'est ce qu'on va être, on va être 15, on va être 14, pardon, 11 plus les 3 prisonniers. Même chose pour les chapeaux, là il y en a 14 puisqu'il y a un chapeau melon. Des manteaux, il n'y en a pas 15, mais 12, puisqu'on a 3 armures et un chapeau melon de réserve. J'ai demandé qu'on les fasse à partir quand il n'y en a plus qu'à 75%, 75%. Pourquoi? Parce que on va les vendre. Hein. On va essayer de vendre ça. Maker, fais-moi ça, celui-ci, fais-moi tout, et le dernier, voilà, et puis normalement après tu iras me faire, toi tu n'as pas à manger ça, tu as à le transporter mon ami. Voilà, alors, il faut que je demande également qu'on vienne
déshabiller notre ami. Et c'est le chauve qui va s'en occuper dès qu'il a fini de recruter. Donc ça va être alors anarchiste. Je vais demander qu'il ouvre son interrupteur ici et puis qu'il vienne ici déshabiller. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai pas fait attention, mais il y a à l'intérieur de ce truc, nous avons un petit peu de matériel intéressant à récupérer. Voilà, Maker fait ses guenilles. Nous avons de quoi déjà bien un petit peu plus nashi. Par contre, il y a des gens chez nous qui n'ont plus de chapeau. Toi, c'est un chapeau de combien ? De 89, parce qu'il est en normal. Donc, j'ai demandé à tout le monde qu'il porte automatiquement des trucs minimum bons. Comme d'habitude. Alors, quand Libellule sera prête, nous... elle doit monter un peu plus haut. Elle doit monter à 75, on va demander. En focus, puisque son stun est plus important. On a un chef-d'œuvre, merci Maker, c'est parfait. Continue comme ça, mon grand. Continue comme ça. J'apprécie énormément. Alors, anarchiste, tu me ramènes quoi? Des blocs de calcaire, mon ami. Non, non, tu vas ramener le pemmican, s'il te plaît. Merci. Donc, le riz va pouvoir venir ici dedans. Que va faire notre cher Bud? Elle est partie miner du calcaire. C'est une très bonne idée. On va agrandir ici. Voilà. Donc on verra comme ça si on voit des choses un peu plus intéressantes. On va quand même les surveiller qu'ils ne... Voilà, ensuite on va aller, dès que Libellule ira un petit peu mieux dans ce niveau-là, ce qui devrait quand même arriver un de ces jours. Voilà, elle ne grimpe pas que ça vite, hein. Alors, elle perd combien par jour? Quand on visite entre 50 et 100%, vous allez perdre 7,5 par jour. Et donc, il y a un sacré paquet qu'il va falloir qu'elle récupère. Mais bon. On va prendre un petit temps, hein. Alors, Sky, Bud. Bon, il y en a pour un petit temps avant qu'on récupère tout ça, bien sûr. Alors, Bud, logiquement, tu es pas dans l'ombre, hein. Ok, c'est bien. J'ai demandé de fermer la porte, elle n'est pas encore fermée, donc Sky... Tu es parti porter un truc, ok. Mais je souhaiterais avoir quelqu'un. Viens ici, Sky. Viens ici pour me fermer cette porte. Merci. Mais là, tu peux réserver par un, ok. Voilà, des bonnes petites choses de fait. On va vérifier que nos zones d'animaux peuvent venir effectivement ici dedans et bien entendu dans tout ceci. Voilà, et la même chose pour les carnivores. Vous pouvez venir ici et... dans toute cette zone.
là. Alors, quand j'aurai fini de mettre les pierres, alors est-ce qu'on commence à voir? Je vais demander une copie de ceci pour que nos personnages puissent venir s'habiller. Voilà. Vêtements. Au moins un. Hein. Puisqu'on commence à en avoir bon, excellent, ça va. Et excellent. Parfait, parfait. Alors, où en est-on? Les guenilles en font encore pas mal. Donc, cure de dromadaire, diabétof. Les chapeaux, c'est du tissu ou du cuir d'éléphant et le loup. Fourrure de loup. Les manteaux, ça sera du dromadaire, du trumbo et de l'hyperfibre ou de l'hyperfibre. Et le chapeau melon, uniquement en tissu. Il n'y a pas besoin de faire mieux que ça. Alors j'ai demandé bien entendu qu'on les refasse donc jusqu'à en avoir un certain nombre, le nombre de nos personnages plus un, donc normalement 15 puisqu'on aura 3 prisonniers qu'on va pouvoir récupérer. Bien entendu moins ce qu'on a, le chapeau melon, etc. Et tout va être à 75% pour qu'on puisse les vendre plus facilement, avec un meilleur bénéfice en tout cas. Voilà, vous savez tout. Donc on est à 43 degrés pendant qu'il fait là 47. Donc on reste dans ces environs-là, hein, c'est pas mal. 43 degrés, vous faites du 100%, moins bien entendu la luminosité qui nous manque, malheureusement. Mais bon, voilà. On y arrive petit à petit. Libellule a commencé et donc on peut peut-être augmenter la vitesse. Ensuite, dès que Libellule a fini ses petits trucs, on va demander pour attaquer ceci. Mais on préparera notre personnel à attendre. On va faire très attention parce que ceci tire de très loin, si je me rappelle. Ça tire à 46 et nous avons 45, je pense. Libellule. Combien as-tu, Libellule? Tu tires à du. Tu es du 40 ou 45? Tu tires à du 45, ok, ça va. Donc, on va. Dès qu'elle a fait son petit travail. Libellule, tu me fais quoi, ma belle? Tu dors. Tu quoi? Tu fais l'amour, tu manges. Ok. Alors, tu veux méditer, je suppose. Viens plutôt me finir ceci, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me... Mets d'un petit peu à ce niveau-là, s'il te plaît. Essaye de me faire des bons trucs si ça me ferait plaisir. Hein? Saloperie de Libon, comme d'hab, t'es pas fichu de me faire des trucs corrects, hein, ma biche. Démolir. Ici. Excellent, parfait. On va pouvoir te mettre ici. Ça, c'est un petit peu moins grave. On va remplacer une à cet endroit. On va y mettre des morceaux d'acier pour qu'on puisse les fondre. Et enfin, réinstaller ici pour la smoke leaf. Puisque j'ai demandé qu'on n'en mette plus là-bas.
Donc, libellule, fais-moi, démantèle-moi ceci. Merci, et fais-moi une copie de ce lit, s'il te plaît. Ok. Voilà. Donc, anarchiste, c'est un petit pépin. Tu me transportes. C'est toi qui vas me chercher, moi. Ok. Alors, quel est ton problème, mon ami? Je viens de voir un corps putréfié. Et puis, t'as été insulté. Mon Dieu, t'en as des affaires, toi. J'ai demandé donc de nettoyer ça. Oui, donc il me reste ceci à prendre. Mais ça, les animaux peuvent aussi s'en charger. Ensuite, j'ai demandé de faire des murs ici. Donc, je suppose que ça va bientôt être fait. Le chauve s'occupe de faire nos personnages. Libellule a terminé le lit, c'est bien, et cette fois-ci elle m'en a fait un excellent. Ensuite, bien entendu, je ne veux rien. Pistolet lourd normal, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je veux qu'il soit installé. Alors, ça va être Bud qui va aller installer. Ça c'est fait. Qui va venir installer ceci. Voilà, pendant qu'anarchiste va transporter le lit en bois excellent. Et puis, ouais, c'est bien. Alors ici, donc, comme je disais, je souhaite avoir en critique, j'efface tout, mais je veux des débris d'acier. Voilà, ça c'est fait. Ok. De 6-9 à 3-7. Maintenant, je gagne 3-2 par tour. Hein, c'est pas mal. Merci. Alors, merci, merci, Pat. Ici, je veux en critique. Certainement pas, bien entendu, des armes. Mais nous souhaitons avoir des ressources brutes, des feuilles de smoke leaf. Parfait. Ensuite, monsieur anarchiste, vous prenez l'autre lit, c'est bien. Alors pourquoi est-ce que lui peut? Parce que je l'ai mis dans constructeur, ainsi que le chauve. Maintenant, il nettoie des déchets et ça me convient parfaitement. Ok, mademoiselle Libellule, où en êtes-vous, ma chère enfant? Vous êtes à 75%, donc on a la paix avec ça. On a un chef-d'œuvre pour Maker, merci beaucoup mon ami. Il est 9h du matin. Nous allons demander à Libellule de venir. Stop, et tu vas tirer. Tu vas tirer. Tu vas venir ici. Tu viens ici, ma belle. Alors, on va quand même protéger nos miches, je crois. Pas sûr. Bon, Libellule, tu commences là. Ici, tu as combien de chances de tirer? Mais là, on va même pas arriver si je tire ici dessus. J'ai 10% de toucher. Et après, je me tire vite fait. Allez, on va essayer. Et ça, ça va jusque là. Ouais. On va passer, ralentir un petit peu parce que j'ai aucune confiance dans ce truc.
Bon, 10%, je peux tirer 10 fois normalement, mais... Oupa, direct, quoi. Libellule. Tu viens ici, tu rentres. Tu rentres, tu rentres, tu rentres. Voilà. En courant, s'il te plaît. Voilà, moi ça m'intéressait qu'ils soient réveillés, les petits quêtes. Pourquoi? Bah, tout simplement. Parce que s'il y a une caravane qui vient et qui les réveille pas, enfin, ou les ennemis qui passent, tu sais, dans le coin comme d'habitude, qui passent à côté, ils sont suffisamment intelligents, je crois, pour le faire. Et donc, alors, par contre, les animaux, peut-être que. Ouais. Les animaux, ils peuvent plus venir ici maintenant. Zut. Tu vas où, Géraud? Des gravats. On va vous enlever les gravats. Il n'y a plus besoin pour le moment de me prendre des gravats. On va vous enlever tout ça. Voilà. Plus de gravats, plus de ça. Et pour le moment, on va... Assignation des animaux, vous revenez ici. Voilà, Intramuros. Et comme ça, voilà, tu réfléchis deux fois, hein, tu vois, mon petit, c'est bien. Et maintenant, par contre, je te remets en. Et ici. Ensuite, on va juste modifier. Vos zones. Herbivores. Je ne veux plus que vous veniez. Et pour l'instant, je vous vire tout ceci également. Pour le moment. Voilà. Comme ça, on est bien. OK. Et on fait la même chose pour les herbivores. Non, je viens de le faire. Donc pour les carnivores. OK. Ensuite, je t'autorise. Ça, et je te supprime tout ceci.
Merci, monsieur. Et on peut replacer les animaux. C'est fait. Herbivore et carnivore. Ok, on va espérer qu'ils ne se fassent pas tirer dessus quand ils iront chercher le petit bidule là-bas. Maintenant, nous ne voulons plus que architecte planning, pardon, et nous souhaitons que nos personnages reviennent tous ici, sauf Libellule qui reste encore constructeur, et nous supprimons également des zones pour le constructeur. Alors, tout ça, je vire. Du moment que c'est à l'intérieur, ça pourrit pas, hein, de toute façon. Donc, voilà, on s'en fout un petit peu. Donc, on ne sort plus, mes enfants. Bien. Et de ce côté-ci, c'est la même chose. On te vire tout ce que tu n'as pas besoin d'aller. Ok. Je crois que c'est bon. Normalement, je peux relancer la machine. Et ça devrait bien se passer. Alors, Lachi, tu n'es pas encore habillé. Ici, Riman et l'autre sont toujours occupés d'être soignés. Ils ne peuvent pas encore... Ok, j'ai un truc qui est bon là. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai encore un, donc on peut encore en mettre un ici. On va agrandir. Voilà, pour en avoir un deuxième. Ce qui permettra à ces personnages de s'habiller. Excellent, excellent, bon. Où en es-tu, Maker? Est-ce que tu as terminé? Pas encore. Ok, est-ce que nous avons fini ici au-dessus? Nous avons terminé. Ce qui veut dire que je souhaite prendre cette poupiote-ci et venir la déposer. Bien, ici ça sera parfait. Et celle-ci, elle viendra à côté. Ensuite, nous souhaitons creuser, miner, on va miner ici, 1 et ici, comme ceci, ensuite 1, 2 et on va également miner ici, comme ceci, voilà. Et on va plutôt mettre la loupiote. Au milieu du jeu de quilles. Voilà. Alors, notre âne va-t-il se faire tirer dessus? Oui. Il se fait tirer dessus. C'est dangereux. Donc,
Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et c'était porté par un mort. Donc je vais le refuser, bien sûr. Et pour l'instant, on va laisser l'or peut rester ici. Et il n'y a que ça qui m'intéresserait bien. Ouais, c'est un peu dangereux ce que je fais là. On n'est pas vraiment pressé, à part ceci. Alors, on va enlever de la zone les herbivores. Et tout ce que je n'ai pas vraiment besoin. Voilà. Si je pouvais ramener ça, ça serait déjà pas mal. Voilà. On va regarder à ça. L'idéal aurait été de me mettre une petite timorelle là. Rimam est totalement guéri. Donc, Rimam, tu t'habilles et tu n'es plus médical. Voilà. Voilà, elle enfile une guenille, elle est à poil, donc elle enfile d'office une guenille. Voilà, elle mange. Donc ceci, une zone de stockage. Je ne veux plus de guenilles, ok, c'est bon. Donc on va virer une des zones, celle-là. Comme ça, elle ne se sent plus. Normalement, elle n'est plus. Je pense qu'elle n'est plus nue, hein, c'est fini. Ok. Elle est sanguine en plus, elle. Waouh, génial ça. Donc, elle est joyeuse, plus 12. Sanguine, plus 12. Volonté de fer, donc là, elle n'est pas souvent en crise de nerfs. Ça lui fait du plus 24, elle, donc plus 12 là. Et joyeuse. Ah non, c'est. C'est considéré joyeuse. J'avais libellule, elle était sanguine. Et donc c'est sanguine, c'est joyeux, ok. Non. Ouais, joyeuse. Joyeuse, c'est sanguine. Ah bon, je sais pas pourquoi. Je dirais au mec qui a traduit qu'il enlève joyeux et qu'il mette plutôt sanguine ou l'inverse, quoi. Puis qu'il mette plutôt. Non, c'est ça que lui il a changé. Et je lui dirais de mettre le trait joyeux, pas sanguin. Je sais pas pourquoi du tout il a mis ça. La résistance a été brisée. De qui? De Lachi. Ben, c'est bien. C'est un mec. Ouais, bon, bah tant pis, hein, ça sera le chauve qui va s'occuper de faire ça.
J'ai pas envie de m'embêter plus longtemps. Bon, t'as 66%, t'es... Voilà, ça va être fini aussi pour toi, je suppose. 3,7, ça doit être à peu près ce que je vais faire en une fois. Voilà, brisé, 3,7. Excellent. Et il reste la petite derrière, qui est un peu plus loin, elle, par contre. Elle est dans les 10, je pense, Lisa. Ah, si quelqu'un veut son nom, vous n'avez qu'à le dire, hein. Voilà, 17 à 7,7, c'est bien. Chef-d'œuvre. Mes cœurs a crié un chef-d'œuvre. Mais je suis très content, mon ami, que tu me fasses des choses aussi belles que ça. Beaucoup mieux bon. Lisez-moi ça, les enfants, c'est pas beau, ça? Ok, c'est la nuit. Il est 19h. Alors, 48 degrés, 54 degrés, c'est bien. Ici, 66%, on n'est pas encore au bout. Anarchis continue. Ici, nous avons de la lumière. Un risque de démence. Tiens, tiens. Qui est-ce qui a un risque de démence ? Libellule, pourquoi ? Oh là ! Je t'ai oublié quelque part, toi, ma belle. Oh, quel con ! Oh, l'idiot ! Mais qu'il est idiot ! Ah ouais, là, t'es... Heureusement, quand on... Hein, si vous ne regardez pas, des fois, vous... Vous faites bien avoir bêtement pour pas grand-chose. Pour une grosse bêtise, je dirais. Ok, on a bien avancé. Lâchi complètement guéri. Excellent. Lâchi. T'as une cicatrice à la jambe gauche. Et elle est chiante, cette cicatrice-là. Santé. Besoin. Bio. C'est pour mon mec de mêlée, en plus. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus que 21 en mêlée. En esquive. Et il perd 1,6 à cet endroit-ci. Donc on va te changer ta jambe. Santé. Opération. Je pense que j'ai une jambe. Une jambe arcothèque. Ou une jambe bionique. Ah ouais, on a aussi notre nez esthétique. Donc on va te mettre une jambe arcothèque, je pense. Lecci, c'est quelle jambe? La jambe gauche. Ok, jambe gauche, arcothèque, c'est bien. Et ensuite, on va donc te mettre des bons médicaments. Ensuite, nous avons Dan à qui on voudrait bien mettre un nouveau nez. C'est Dan, hein? Oui. Ouais. Un nez esthétique. Oui, et nous voulons des médicaments ou pire. Ici, nous allons définir comme médical. Infection de la chambre, 47%. Ici, 50%.
une aptitude médicale, hein, sinon tu ne peux plus dormir là. Et c'est de nouveau. Alors, qui est-ce qui est le meilleur maintenant Alors, j'ai un petit peu modifié. J'ai demandé le medical preset ici. Chance de réussir. Maintenant, c'est Sky qui va me faire cette. Bah oui, il n'est pas bien Sky, c'est pour ça. Sky. Tu joues aux échecs. Travail. Opération. Sky. Et bien entendu, soigner, c'est. Bah, elle peut soigner quand même. Note en 3. Et Sky en 3 aussi. Ça, ce sont mes deux meilleurs. Et l'opération, c'est Sky. Ok. Voilà, là tu y es là. Sky devrait prioriser opère la chi. Regarde la chi, tu vas pas être bien avec toi, avec ça, ma petite. Par contre, ici, je vais arrêter ça. Bam. Tu vas aller dans ton lit te reposer. Et Sky ira après pour te voir. Donc ici, c'est parce que le sol n'est pas encore terminé, hein, bien entendu. Et ici, on va supprimer également cette zone. Et si on regarde, je crois qu'il a mis aussi son manteau. Il a mis le manteau, il n'a pas mis la guenille. Mais le manteau devrait être suffisant, je crois, pour ne pas être nudiste, si. Vêtements en lambeaux. Manteau d'un mort. Oh, le con, d'accord. Et ça aussi, c'est de mort, ça? Non, ça, c'est pas de mort. Bon, on va enlever ça, c'est pas grave. On va enlever tout ça, c'est... Tant pis, il ira après. Même chose ici, c'est quoi ça? C'est porté par un mort? Non, ça c'est au moins, c'est pas porté par un mort. Toi, c'est pas porté par un mort non plus. Ah, ok. Ensuite, Sky, tu transportes et tu viens me soigner, mon ami Bam. Voilà. Juste que tu vas d'abord prioriser, nettoie et ensuite voilà. Bien, installe l'anesthétique. Eh bien, chouette ça. C'est chouette. Lisa est totalement guérie aussi, donc Lisa partie mettre son petit le chauve devrait avoir Rimen sans problème. Et voilà, nouvelle recrue Rimen. Ça, on désinstalle. Ok, Blizzly.
Ça, on supprime, Grizzly, tu désinstalles le lit, voilà. Comme ça, automatiquement, Lisa va pouvoir, voilà, 3-7, le coup prochain, elle est, elle a fini. Bien, mes enfants, on n'a plus que la chi. Donc, nous avons une personne supplémentaire. Rimen vient de venir ici. Alors, nous avons Dan qui a 12,98. Nous avons Sky qui a 8,48 mais qui est robuste et agile. Non, qui est robuste et nous avons la troisième personne, c'est Lizzy qui est robuste aussi. Donc, Dan. Même faudrait quand même. Donc, Rimen. Ah non, toi, t'as pas. C'est pas toi en mêlée. Donc, Rimen, tu vas devenir un ouvrier. Voilà. Tu n'as pas de drogue. Voilà. Tu n'es pas chétif, hein, je ne pense pas. Hein. Tu n'es pas chétif. Donc, nous allons te donner un planning comme tout le monde. Voilà. Tu passes en intérieur et nous allons regarder ce que tu es capable de faire. Actuellement, tu ne sais rien faire du tout. Tu ne sais rien faire du tout. Donc, fort clair, ben, tu vas. Et tu ne peux pas faire de travaux ménagers, dommage. Ni transporteur, ni nettoyeur. Ah. Ouais, c'est bien embêtant. Donc, on va te mettre en agriculture déjà. Rimen, on te descend. Voilà, 3, je laisse comme tout le monde. Là, je te mets à 0, sauf. Tu peux faire quoi? Tu peux aller rendre visite aux gens. Tu peux amener les gens au bloc. Tu peux pas opérer. Tu ne peux nourrir les animaux. Tu peux pas prodiguer les soins, etc. Tu peux pas opérer. Tu peux nourrir les patients. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Le repos, tu passes en 5. Tu passes en 5. Ça, je ne veux pas le voir du tout. Ensuite, geôlier, ben, tu vas. T'es à 8. Hein. Tu peux, non, tu peux faire tout ça. Sauf ceci. Et donc, tu montes à 5. Bot, bah toi aussi t'as 5, voilà, sauf ceci, c'est pour le chauve, du 3 ici, et comme tout le monde, hein. Voilà, tout le reste est en 5, Rimen, dresseur, bah, tu vas faire comme tout le monde, hein, 5 et 5. Ensuite, cuisiner, bah, tu sais rien faire. T'as 0 de toute façon. Oui. Ensuite, chasseur, on s'en fout. Ici, constructeur, bah, tu vas faire comme tout le monde. Donc. Désinstaller, construire des toits, supprimer des toits,
apporter les ressources, pas démanteler, pas de réparation, pas d'enlever le sol, et tu vas aplanir le sol. Voilà, 5 c'est bien, et 5 ici. Voilà, fermier, je veux effectivement que tu sèmes en 4. Miner, c'est pas trop ton truc, hein, miner. Mais il faudra que tu apprennes, hein, parce que tu sais pas faire grand-chose d'autre. Forestier, non. Ça, c'est quoi, forgeron? Alors, forgeron, c'est toi qui vas faire tout ça. Oh, et en plus, tu as 10, hein, c'est bien. Fabriquer des armes, bien sûr que non. Travailler à l'établi d'assemblage, oui. Fabriquer des objets, oui. Couture, non. Art, non. Ensuite, nous continuons ici. De l'artisanat, tu vas m'en faire. Confectionner des objets à un établi. Travailler à la raffinerie, oui. Donc tout ça, on va te mettre en 5. Et ça, c'est 5 aussi. Ça passe en 6 et en 6. Donc, je veux que tu me fasses des objets, que tu travailles à la raffinerie, que tu produises de la drogue si tu en es capable, et que tu tailles des pierres et que tu fasses fondre des objets. Voilà. Ici, ça va passer en 6 et en 6. Comme ça, il y a de la place pour toi. Enfin, du transport, tu n'as pas le droit d'en faire, et de là, du nettoyage non plus, et de la recherche, tu n'as pas besoin d'en faire. Et voilà. Donc, nous avons quelques petites choses ici. Nous avons. Eh bien, tu vas me faire un petit peu de pierre, je pense qu'on va en avoir besoin. Ici, j'ai demandé d'en avoir 350 et de reprendre à 150. Et ici, 350 et reprendre à 150. C'est bon. Donc, ma chère Rimen, tu vas recycler. Oui, pour le moment. Je ne suis pas sûr qu'il reste quelque chose à recycler. Par contre, tu vas extraire du métal et tu vas me faire ça en boucle. Voilà. Ensuite, tu vas me faire ça avec une recherche assez basse, d'environ, disons, à peu près 16. Je pense que ça doit être 16. Regardons. Ici, eh bien c'est 16, hein. C'est parfait. Donc tu viendras le prendre ici et tu n'iras pas en chercher ailleurs, ni dehors, ni là-bas. Ok. Ça, c'est correct. On va allumer la petite machine. Et nous avons logiquement assez d'énergie pour ce faire, oui. Ensuite, c'était mort, c'est fini, c'était ceci hein, que vous voyez là. Est-ce que j'ai dit qu'on ne pouvait pas? On ne peut pas. Ok. Mais ils se tiraient dessus, mais ils ont quand même difficile à pouvoir me toucher, hein. Il ne reste pas grand-chose à récupérer. Il reste un pantalon, je pense que c'est à peu près tout ce qui reste. Lachie n'est plus incapable de marcher. Donc, Rimen, il te faut un lit, un endroit pour dormir. Voilà, Rimen, t'es venu ici, ça va pour le moment. On n'attend plus que les deux autres se remettent correctement.
Ce qui devrait être le cas. Alors, comment es-tu, mon petit? Hein? Besoin. T'as les manteaux d'un, le manteau d'un mort. Montre-moi un peu ça. C'est con, hein, manteau d'un mort. Bon, c'est pas grave. Hein. Un prisonnier. Il va avoir du 100% sans aucune difficulté. Alors, où en est-on dans nos vêtements? Chapeau de cow-boy, bien. Lisa. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas dans ton lit? Ouais. Voilà. Alors, ici, on voit que mon système a fonctionné. C'est Becker qui s'en occupe. Rimen, actuellement, que fait-elle? Elle dort, oui. Alors, Dan n'est plus incapable de marcher, tant mieux. Extrait du métal. C'est bien, mais normalement, ce sera Riven qui va me faire ça. Alors, tu me donnes combien de métal avec ça? Tu me fais 15 de métal. Donc, votre compétence et votre santé ne jouent pas du tout dans... ça ne joue que sur la vitesse de fonte, mais pas sur la quantité de métal récupéré. Tu joues aux échecs, ok. Assignation, donc on a bien Rimen correctement mise. Par contre, là, on va repasser en médicinal et en... On va mettre tout le monde en médicinal, d'ailleurs, maintenant. Rimen, c'est fait. Anarchiste, c'est fait. Eh bien, c'est pas mal. Et voilà, on a notre recrue, Laki. Bon, pour l'instant, Laki, tu vas... Je commence à manquer de charme de nouveau. Parce que c'est un petit peu embêtant. Laki. Bon, je suppose que t'es parti de changer, hein, toi. Signation. Ah. Pour le moment, je te mets en ouvrier, mais je pense que tu vas devenir... Si je ne me trompe pas, Laki, tu es mêlé, toi. Ouais, c'est toi le mêlé. Maintenant, probabilité d'esquiver en mêlé 10% parce que tu es encore anesthésié. Hein. Après, tu vas devenir très très bon, petit. Si on regarde dans la mêlé, est-ce que j'ai bien fait d'esquiver en mêlé? On a 18 d'impact et vous voyez qu'il n'y a pas de pourcentage maximum. Il n'y a pas de pourcentage maximum dans le mouvement. Et donc vous pouvez aller à 200%, ça va augmenter votre compétence, bien entendu.
Même chose pour le DPS au corps à corps. Est-ce que les jambes jouent ou pas? Non, je ne pense pas que les jambes jouent. Non. Par contre, s'il donne un coup de pied, il fera plus mal, bien sûr. Hein? Mais ce qui est ici le plus intéressant, vous voyez que là, par contre, c'est 150% maximum. Manipulation et vue. Plus cogneur, donc là pour le moment, la 83. Ouais, c'est bon, on va pas se plaindre. Hein. Ok, les besoins, c'est fait. Vêtements, lambeaux, on s'en fout. Qu'est-ce que tu sais faire? Sociabilité, excellente. Ensuite, tu as de la construction, de la cuisine, de l'agriculture. Mais tu peux pas faire d'artisanat. Écoutez, je pense qu'on va. Peu fatigué, on va s'arrêter comme ça. Je ferai à de mon côté tout ce que je dois faire, faire le planning, etc. Et surtout le travail. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye!